papa, c'est quoi le coronavirus ? Ma fille, le coronavirus, c'est une petite bête qu'on ne voit même pas, mais qui peut faire beaucoup de mal aux gens. Tout le monde peut être attaqué par cette petite bestiole invisible qui peut passer facilement d'une personne à une autre. À ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs, les voisins, tes copines d'école, tes tantes, tes tontons, et même ceux qui sont en Europe, en Asie ou en Amérique. Une fois qu'elle est entrée dans ton corps par le nez, la bouche ou les yeux, elle se multiplie. Et tu peux la donner à d'autres si tu es trop proche d'eux. C'est pour ça que notre président a fermé temporairement les écoles et limité nos déplacements pour que l'on reste le plus possible à la maison. Pour éviter de faire cette mauvaise rencontre et pour qu'on puisse se surveiller au cas où quelqu'un d'entre nous l'aurait attrapé. Il faut éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche avec les mains. Même si ça gratte. Même si ça gratte. Il faut bien se laver les mains aussi souvent que possible avec de l'eau et du savon. D'éternuer ou de tousser dans le creux de son coude ou dans un mouchoir. Il faut ensuite jeter dans la poubelle, pas dans le corps. Exact. Mais le plus dur, ma chérie, c'est de rester à distance d'au moins 1 mètre. Ce qui veut dire qu'il faut oublier les bisous et les câlins pendant quelque temps. Plus de câlins. Si on fait tout ça, on empêchera au virus de s'installer en nous et de nous faire du mal. Mais si on devait quand même l'attraper? Pour être sûr, il faudra sans tarder appeler les antennes médicales mobiles pour recevoir toutes les informations et conseils utiles. Au numéro que t'as collé sur le miroir. Tu as tout compris, ma fille. Tu es intelligente. Ensemble, nous vaincrons. C'était un message de la République du Niger et de l'Union européenne.